Le combat continue pour Bernard Tapie. Depuis plus de 2 ans, l'homme d'affaires affronte avec courage un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Dernièrement, de nouvelles informations guère réjouissantes étaient relayées par son entourage qui révélaient la présence de 2 nouvelles tumeurs, une tumeur au cerveau soignée par radiothérapie, 2 dans les reins soignées par cryogénie, dans l'abdomen, sous la peau, bref un peu partout, indiquait son fils Laure auprès de nos confrères de BFM TV, évoquant un état de santé très préoccupant. Dimanche 30 mai 2021, l'avocat de Bernard Tapie, Hervé Temim, s'est confié sur l'absence de son client à son procès en appel qui a repris le 10 mai et devrait se terminer le 9 juin prochain. C'est un crève-cœur. Mais c'est une décision prise en commun avec Bernard Tapie. Je l'avais annoncé en octobre et répété en mai, quand le procès a repris. Rien ne permet de dire que Bernard Tapie sera condamné, a-t-il confié. Dans la foulée, Maître Temim a ajouté que l'ex-patron de l'OM avait été contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale, tout en se voulant relativement rassurant sur la santé de son client. Son état de santé n'est pas alarmant. Il avait besoin de soins, d'examens et d'une intervention chirurgicale qui ne pouvait pas être différée et qui avait pour objectif raisonnable de lui permettre d'être présent à son procès, le combat d'une vie, d'ici 2 à 3 mois, a-t-il relaté. THL à lire aussi Adblock Test.